Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur Barros. Bonjour madame. Ça va? Vous êtes là? Ça avance un petit peu? Ah oui. Merde, Alors, vite là. on est là. Tu vois? Avec ma khaïfine. Non, pas du tout. On va dire. Mais alhamdoulillah. On s'en occupe là. Je roule une de votre chaîne. Avec les gars, D'accord. mordus. Tu as dit, chef. C'est vrai. Mouad? Bonjour, madame. Bonjour, ça va, Mohamed? Alhamdoulilah. Ça se passe bien? Oui, alhamdoulilah, madame. Les choses, ça avance un petit peu, les cours? Oui, c'est bon. C'est un truc, alhamdoulilah. Deuxième, avec tous Ah, les profs? alhamdoulilah. Ah, couche, je me dis, alhamdoulilah. Voilà, regardez comme d'autres, parfois, ma katkounouch ou la katatlan. Ouais, monsieur, ouais, on essaie de nous dire ma. Là, Je vais être le chauffe, parce que tu iras te gauler. Je vais être le chauffe. là, قلت لك ايه واحد النهار تعطلت حيت ما بغاش راه ما عرفتش كونيكسيون الايام كونيكسيون ثقيله ما عرفناش علاش ماشي غير عندك اولدي، عند كلشي، عند كلشي خدام بالكونيكسيون، شغال با. يعني بعد مرات كان ما كان زعما داكشي كيكون كونيكسيون ثقيله وصافي داكوغ، ايوا المهم اسيو انكم تانكوراجيو ليكيب كلها ولو لو جروب باش تكونوا اجور في لي كور ديالكم، صافي؟ وي كان بعد كنعلموا بعضياتنا الى باش بيان زعما مثلا ما كانش شي واحد عارف بينا كاين ريونيون شي يعرفها صافي، تخي بيان، الله يرضي عليكم. الله C'est bon, يرحمه monsieur, Bachos, bon courage. merci madame Bien, au revoir. au revoir Oh. alors on attend un petit peu 5 minutes donc oui où est parti le canafture Azim Abdou Abdou n'est plus là. Azim, ça va? Monsieur, bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour. Alors, fais-je pour une affaire humaine? Après, je vais donner. C'est la séquence. Harcèlement conditionnel. Séquence. Mouad, C'est la séquence. collaboration. Final de collaboration. Dans la séquence. D'accord, donc on commence. Alors, question de diagramme de séquence. Donc, on va partager cet écran-là ensemble. Alors, ça, c'est pour rappeler qu'un diagramme de séquence, il se compose d'objets ou d'éléments qu'on trouve, par exemple, ici. Par exemple, ça, c'est le cas d'une communication téléphonique. Alors, donc, quels sont les acteurs qui sont impliqués dans cette connexion? Et qu'est-ce qui se passe entre eux? Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, un diagramme de séquence, il permet de décrire le temps, ce qui se passe dans le temps. Alors, les pointillés qu'on a ici, ça correspond au tic-tac. Tic-tac du temps. Donc, au fil du temps, l'appelant va décrocher son appareil, l'appareil téléphonique, ce qui va donner, ce qui va activer la ligne téléphonique. Pour qu'elle fait une action. Donc, tout cet espace-là, ça correspond à une action. Donc, moi, j'ai dit que vaut mieux, par exemple, dans le Cibasa MC Designer, utiliser l'activité. Hein, ça veut dire un rectangle qu'on dessine ici pour représenter l'activité du temps. Par la suite, la ligne téléphonique va lancer une fonction qui s'appelle la tonalité. Donc, l'appelant, il va automatiquement commencer à entendre le bip de la tonalité, qu'on croit bien une tonalité. Alors, en ce moment, donc, il peut aussi faire une numérotation, ce qui va activer la ligne téléphonique à lancer un programme pour bien sûr, recueillir les numéros qui vont être numérotés. Et comme ça, elle peut
bien sûr, trouver l'appelé et bien sûr sonner ou la lancer la sonnerie dans les deux sens. C'est-à-dire l'appelé va entendre la sonnerie et l'appelant, il va entendre bien sûr l'indication de la sonnerie. À un certain moment, donc une fois bien sûr l'appelé a décroché son téléphone, alors là la communication elle peut commencer et les deux interlocuteurs ils peuvent discuter. Donc ça c'est, ça résume un peu un scénario, donc on appelle ça un scénario sous forme de diagramme de séquence en UML. Ce scénario est appelé diagramme de séquence. Ok, donc comme rappel, donc on a dit que un diagramme de séquence montre les interactions entre les objets, quand, comment ils se, s'interagissent entre eux, et aussi cette représentation se concentre sur la séquence des interactions de point de vue temporel, donc l'élément temps. Donc, le tic-tac, les pointillés, ça représente le temps. Donc on peut savoir quelle est la première action, la deuxième action. Par exemple, dans le en Meurice, on a fait le NCC et on a fait des numérotations. 1, 2, 3, 4. Okay. Donc là, on n'a pas besoin de faire une numérotation puisque les actions elles sont enchaînées dans le temps. Okay. Donc, ça, donc le diagramme séquence, c'est un modèle dynamique. D'accord, il y a beaucoup de mouvements, hein? Et il traduit normalement l'envoi des messages entre les objets. D'accord? Pour faire, on a besoin d'objets, que ce peut être des acteurs ou des objets, des systèmes, comme ça. D'accord? Et entre eux, il y a des relations. La prophète, ce sont des événements, des activations d'action. Donc ça, c'est une action, activation d'une action, activation d'une action. Et ces objets ou ces acteurs, ils évoluent dans le temps. D'accord? Donc, par exemple, ici, il y a un certain ordre. Hein? Et chaque objet, il évolue dans le temps. Okay? Il y a même des objets qui peuvent être détruits. Par exemple, cet objet-là peut être détruit suite à une action. Donc, on a déjà vu cet exemple dans le cas de l'ouvrier fleuriste. Ça veut dire une fois que le bouquet est réalisé, on va archiver le bon de fabrication. Donc, archiver le bon de fabrication, c'est-à-dire mettre fin au bon de fabrication. D'accord? Donc, on peut mettre fin à des objets à travers, bien sûr, cette action, cette croix. Il y a aussi une chose à préciser, c'est ce genre de flèche. Donc, ce genre de flèche, donc, si vous avez une flèche, d'accord, qui passe directement travers un objet comme ça. Alors, remarquez, il y a une grande différence entre ces flèches-là et une flèche qui part directement vers un objet. C'est une flèche de création d'objet. D'accord? On l'a aussi vu dans l'exemple de fleuriste lorsque le vendeur crée des factures, par exemple. D'accord? Lorsqu'il crée des factures, en créant des factures, donc cet objet n'existait pas. L'objet facture n'existait pas qu'au moment de la création. Donc la flèche doit être située ici. Okay? Sinon, ce sera un message de communication, comme ce qu'on a vu dans la ligne téléphonique. Donc, ce sont des communications qui permettent d'activer des actions dans les divers objets. Donc, comment ça se représente côté UML, hein? Donc, dans le diagramme de classe, on a des propriétés et en bas, on a les méthodes. Méthode 1, méthode 2, méthode 3, etc. Donc, les noms des méthodes, c'est-à-dire des fonctions. Alors, le diagramme de séquence. Alors, à chaque fois que vous appelez une fonction, d'accord, vous allez l'appeler à travers son nom. Par exemple, l'acteur X, il va appeler le M1 ici. D'accord? Ensuite, la classe A, elle va appeler le M2. Ensuite, elle va appeler le M3 dans la classe B. Donc, M1 et M2 sont situés. Donc, c'est ce qui va être exécuté. C'est ça, c'est le grand rectangle qu'on a ici et le deuxième rectangle. Donc, ils sont situés dans la classe A. Par contre, le M3, on l'appelle et il est situé dans la classe B. Il est là dans la chaîne. Donc, ça nous montre la relation entre un diagramme de séquence et un diagramme de classe.
Faites attention, plus tard on va voir le diagramme de classe. C'est comme le MCB. Et on peut vérifier est-ce qu'il est correct ou non. Si on ne trouve pas ces fonctions du diagramme de séquence, on ne les retrouve pas ici. D'accord ? Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, ce qui est nouveau, c'est comment faire des conditions, hein, et comment faire des messages réflexifs. Et par exemple, ce message-là, hein, classe A demande une validation. Et pour que la classe B puisse traiter cette demande, on a besoin de savoir l'auteur et le titre. C'est-à-dire, la classe A doit, au moment où on va appeler la classe B, elle doit envoyer aussi l'auteur et le titre. C'est-à-dire, ce sont des paramètres. D'accord ? Et en attendant, il va afficher, la classe A, elle va afficher un message de validation en cours qui va être affiché tout au long de l'exécution. Une fois que la classe B a exécuté cette information, il va envoyer, bien sûr, si il va dire est-ce que l'auteur et le titre sont valides, il va l'envoyer soit il est valide ou non valide, il va envoyer le résultat. Et la classe A va s'occuper de faire une condition. Si c'est valide, remarquez ici, c'est une condition. Si c'est valide, alors il va envoyer un message à classe C pour dire créer, s'il te plaît, l'auteur et le titre et la date. D'accord ? Parce qu'on les a entrés correctement, donc on peut les créer. Ainsi. Sinon, il ne va pas les créer, donc on passera à autre chose et le temps il va s'écouler. Donc ce genre de choses, on ne peut pas le faire avec un autre diagramme, sauf le diagramme de séquence. Donc si vous avez des conditions, si vous avez des boucles par exemple, des choses comme ça, donc le seul moyen de les faire dans l'analyse UML, c'est les diagrammes de séquence. D'accord? Donc ça, on a déjà fait, c'est comment on distribue des billets. Dites-moi, est-ce qu'on a fait la correction de ça? Oui, de l'UML. L'UML. درنا اخر مره في je pense درنا ليه ديياغرام كولابوراسيون يمكن لا انا با في وقت لا سيكونس فيني نماد ما جاتش نماد ما كايناش ما كايناش وي شكون اللي تيهضر خديجه استاذ داكور واخا Oh, c'est pas grave, donc on va faire la correction tout de suite. Moi, ce que je vais vous proposer, par exemple, ici, on a le porteur de la carte bancaire, on a le groupement de la banque, hein, et le guichet automatique, le distributeur automatique du billet. Vous voyez là, c'est bel et bien. Oui, oui. Donc, le distributeur automatique du billet. Alors, le porteur de carte, il va introduire la carte dans le guichet automatique. Guichet automatique, il va vérifier, c'est-à-dire ça c'est une fonction interne, il va vérifier la carte, est-ce qu'elle est valide ou pas valide. Si elle est valide, il va demander le code. Alors, l'utilisateur il va entrer le code de la carte, on va encore une fois vérifier le code par rapport aux informations de la carte. Si c'est valide, il va demander l'autorisation au groupement bancaire. Donc, le groupement bancaire va envoyer le solde autorisé, c'est-à-dire il ne doit pas dépasser un certain nombre de montants. Ensuite, on va demander à l'utilisateur quel est le montant qu'il souhaite retirer. Donc, l'utilisateur va entrer la valeur de l'argent qu'il veut retirer du guichet. Donc, le guichet va contrôler le montant par rapport au montant autorisé. Par exemple, le montant autorisé, c'est 5000 dirhams. L'utilisateur il a entré 1000 dirhams, donc il va contrôler est-ce que 1000 est inférieur ou égal à 5000. Donc si c'est correct, on va lui dire est-ce que tu veux un ticket, il va répondre. D'accord. Ensuite, on va éjecter la carte en premier. D'accord. L'utilisateur il doit récupérer sa carte, donc une fois qu'il a retiré la carte, on va le savoir. Le guichet va savoir que vous avez récupéré la carte. Et il va éjecter les billets et le ticket. Donc, c'est là qu'il va vous donner l'argent.
Donc l'utilisateur, une fois qu'il a récupéré l'argent, okay, alors c'est là qu'il va, le guichet va déduire les montants du solde, c'est-à-dire que l'argent a été récupéré par le client. D'accord? Alors moi, ce que je veux, c'est que vous complétiez ça avec des conditions, avec des actions ici. Donc on a besoin d'avoir les activités. C'est-à-dire ça, vous devez les dessiner avec votre C-base, un C-designer. Vous devez normalement le compléter. D'accord? Donc essayez de le prendre d'avant. Essayez de le capturer. Je ne sais pas si vous prenez des notes. Vous avez la prise de notes. D'accord. D'accord. Alors, moi, ce que je préfère, c'est que vous prenez ça et aussi vous allez prendre l'énoncé, d'accord, l'exercice, parce que l'exercice est plus complet que le dessin. Le dessin n'est pas complet. D'accord, je veux que vous preniez aussi ça. D'accord, le déroulement normal d'une caisse ou là, d'une distributeur automatique de billets, le suivant. Le client introduit la carte, la machine vérifie la validité, si le code est correct, elle envoie la demande de prélèvement du compte bancaire. Le distributeur propose plusieurs montants à prélever, le client saisit le montant à retirer. Après contrôle du montant par rapport au solde autorisé, le distributeur demande au client s'il désire un ticket. Après réponse du client, la carte est échappée et récupérée par le client. Les billets sont alors délivrés ainsi que le ticket. Le client récupère enfin les billets et son ticket. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a une question ici? Est-ce que tout est clair? Ok, Azim, Fenty. Azim. Tu vois? Oui, monsieur. C'est clair, l'énoncé est clair? Oui, monsieur. D'accord. Oui, oui, monsieur, c'est clair. Abdo? Oui, oui. Allô? Alors, oui, monsieur, Rata Hamza, صافت message قال لك به. D'accord, bien. D'accord, Hamza, tu peux voir. Rata Moujahid, صافت message. Bien, oui. Nice. Alors, je connais Namaz André Ivan, Moujahid, Hamza, Khadija, Hamza. Ok. Alors déjà cette partie-là, donc, elle est plus ou moins. Il reste des choses à compléter. Alors vous allez vérifier ce graphique par rapport à l'énoncé. Ok. Vous allez me le faire et vous l'envoyer sur le Google Classroom. Ok. Ça veut dire vous allez trouver cette vidéo avec l'exercice et vous allez répondre comme s'il s'agit d'une question. On est juste vite. Pour le retard, j'avais un petit problème au niveau du téléphone. Qu'on a d'abord. Alors, c'est bon. Alors, la première, la ligne, c'est le nom. Qui parle? Qui contient d'abord? Alors. كما شكون او شي ولا سليم قلت لك سي سون بير داكور اوكي سليم داكور يلا اون كونتينيو
Ok. Alors, on a dit que le diagramme de bon, collaboration, on a déjà vu. Donc, le diagramme de séquence, en fait, on va s'arrêter là. Mais pour comment peut-on le créer sur AMC Designer? Donc, je vais faire un partage avec vous sur l'outil AMC Designer. Alors, pour créer un diagramme de séquence, donc, il s'agit de faire créer un modèle. Okay. Alors, normalement, vous devez le trouver. D'accord? Parmi les modèles qui sont proposés. Donc, ceux qui l'ont déjà fait, alors vous pouvez choisir par type de modèle si vous souhaitez. Alors là, vous choisissez, d'accord, par exemple, le modèle orienté objet et vous allez trouver le diagramme de séquence. D'accord? Alors, utilisez le type de modèle, modèle orienté objet, diagramme de séquence. Et vous pouvez donner un nom à votre diagramme, par exemple, DAB. Vous pouvez choisir le langage avec lequel vous allez développer par la suite. Pas. Pourquoi? Qui peut me dire que fait le langage de programmation ici? Qui a la réponse? Pourquoi on a... On peut générer le code automatiquement à partir de ce logiciel. Mmh. Exact. Donc les classes, lorsque vous faites le diagramme de classe, il peut générer le code des classes. Hein? Classe avec les propriétés directement depuis ici. Ok, donc j'ai fait valider. Alors, il va essayer, donc il va créer l'espace de travail. C'est là que on peut, voilà notre diagramme de séquence. Donc, vous pouvez zoomer. Vous avez la palette. Hein, vous avez l'outil zoom un peu plus. Vous pouvez zoomer si vous voulez, ou réduire l'affichage. Alors, là, ce qu'on va faire, là, vous pouvez insérer des acteurs, vous pouvez insérer des objets, d'accord. Et entre les deux, vous pouvez faire. Oui. واش انا غادي نخدموا هذا ليكزارسيس ديال ديستريبيوتور نيت؟ Non, vous allez le compléter cet exercice. C'est déjà fait. C'est juste un moyen de vous dire que on peut développer par exemple d'accord. Vous allez vous entraîner, là, c'est pour s'entraîner ici. Okay. Mais l'exercice que je vous ai donné l'autre fois, là, on n'a pas encore corrigé. De la caisse. De la caisse? Si. De 9 séquences. Je pense que je vais faire je pense que je vais faire d'accord. D'accord, donc si c'est fait, c'est bien. D'accord, on va faire un autre. Alors, juste pour le premier message, donc il va passer, par exemple, entre les deux de cette façon. Donc, par exemple, vous dites le premier message et vous pouvez, bien sûr, introduire ici les propriétés. Vous pouvez réduire la taille, bien sûr, de l'action. Par exemple, si vous trouvez que le message va prendre beaucoup de temps, donc on peut l'étaler sur le temps de cette manière-là. Alors, là, vous indiquez le nom du message. Sinon, vous pouvez cliquer deux fois sur les objets et travaille sur leur propriété étendue, c'est-à-dire le nom du message, d'accord? S'il a un numéro d'ordre, et bien sûr, qui émet et qui reçoit, d'accord? Vous pouvez ajouter plus de détails si vous voulez, ici, d'accord? Alors, normalement, c'est une action qui va se faire, c'est un simple message, donc il n'y a aucune action. Sinon, c'est une action de création, c'est-à-dire si vous pensez que ce message va créer un objet. Donc, c'est là que vous devez indiquer que c'est un message de création. Alors, si vous faites OK, vous voyez, la flèche ne se fait pas. D'accord? On appelle ça le message de création. Sinon, c'est un simple message. Okay? Alors, essayez de dessiner ça ici pour que je vous donne l'exercice suivant. Okay? Alors, il reste combien de temps? 10 minutes. Alors, je vous donne un deuxième exercice à faire. Tout le monde a l'installation de CIPAS? Qui n'a pas l'installation? Je vous demande. Ah non, c'est. Bonjour.
خديجة السود ما عندك شنو انستالاسيون ما عنديش عاد ركشتي أستاذ ملي كنت كتعطيني شي حاجة كنخدم كنسكت لي كابتشو كنخدم فيها في الوورد وهذا كنسكت لي كابتشو ولكن إلا كان زعما دونك غادي نعطيك كنخدمو فين انستالي ماشي مشكل دونك غادي نعطيكم لو ليان بوغ تيليشارجي لو لوجيسيال D'accord. Donc le lien d'un peu comme par mail, la description du lien, vous allez le télécharger en utilisant D'accord. le WeTransfer. D'accord. En utilisant le WeTransfer, donc on va pouvoir le faire. Ok. C'est bon, donc vérifiez est-ce qu'il n'y a pas une question à poser pour le... ce qu'on vient de dire là. Alors, vous avez un cours, vous aviez eu un cours avant? Madame Joujarba, vous avez eu un cours? Là, c'est le premier. Là, là, c'est le premier. 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 Là, c'est le Alors, le fleuriste, on a fait le diagramme de séquence qui est bon. Le fleuriste. Là, on a fait la collaboration. On a fait la séquence. Mais parce que j'ai vérifié le diagramme, effectivement. Ok, alors je partage avec vous aussi l'écran fleuriste pour que vous puissiez copier l'énoncé. D'accord? Donc je veux que vous faites ça aussi avec le CIBAS. Ok, vous voyez une capture écran si vous pouvez. D'accord? Prenez ça, vous enregistrez ça. Donc faites-moi cet exercice là, les consignes. Ok, faites-moi cet exercice là. Vraiment, tout le monde a compris. Abdou. Oui. D'accord. Vous allez faire cet exercice sur CIBAS, ok? D'accord. Vous allez m'envoyer le résultat. Pas par mail, par Google Classroom. Ah, ouais. D'accord, d'accord, monsieur. Vous allez trouver l'exercice et le lien, avec le lien pour télécharger le logiciel. Monsieur, ouais, c'est chocolat. Oui. Un exercice par mail. Par mail. نحطه في جوجل كلاس داكور شوف كلاس روم احسن داكور اوكي يلا جو سويت اون بون فان جورني بيان اتونسيون ريسبكتي لي كونسيني داكور اي تو باسرا تري تري بيان يلا او فوار او فوار او فوار مسيو او فوار او فوار